personne à cette heure-là, là. Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est... Oh! Oh, il y a un peu de... Il y a un coup... 6-4! Il est pas là, ce con-là. Il est parti faire un tour dans la forêt. 6-4! On a reçu un colis. Je sais pas ce que c'est. C'est... Oh, c'est très intéressant. Je vais tout de suite aller le chercher et puis on va l'ouvrir. Et pourquoi il l'a mis sur le piège Frost? Ah, ça, c'est Norbert, c'est notre facteur farceur. Quel enfoiré celui-là. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pretty. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Bienvenue à toi dans cette vidéo spéciale Unboxing. Mais tout d'abord, commençons cette vidéo sans plus tarder sur les nouvelles du jour. Le taboulé oriental de chez Bondu. Ok, d'accord. C'est juste que j'ai pas mangé, donc je m'en bats les couilles de... Oh, c'est quoi? Oh my goodness, it's a picture. S'en fout. Nous allons commencer d'abord par parler de l'avant et de l'après. Dans la vidéo que vous avez... C'est du coca, ouais. Dans la vidéo que je vous ai présentée, j'ai rencontré quelques difficultés, notamment aériennes, notamment des difficultés à trouver l'objectif, la raison du pourquoi j'étais parti chercher la chose. Et si aujourd'hui je prends une voix totalement loufoque comme ça, c'est parce que j'ai vu les autres youtubeurs le faire et je me suis dit, certainement ça rapporte plus de vues et donc obligatoirement plus de pépettes. En effet, dans la vidéo d'hier, les amis, waouh putain, nous avons constaté que c'était un grand échec et que mon objectif était de prendre une PS4 Pro avec Red Dead Redemption 2. Il y a un livreur qui nous a livré un petit truc aujourd'hui à la Sauti Academy. Vous avez vu, hein, au pied, c'était livré, ça a fait ding-dong. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ce colis? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Que contient-il et quelle est son utilité? Nous allons le découvrir. Ouais, c'était une musique pour faire style. Ben voilà, hein, ça c'est une PS4 Pro. Avec Red Dead Redemption 2 offert avec, hein, il faut le savoir. Donc la PS4 Pro nous est offerte par, pas du tout en fait, j'ai dû craquer 400 boules. C'est trop. J'ai choisi une PS4 Pro, pourquoi? J'aurais pu prendre une PS4 normale, mais le choix s'est avéré être fait parce que je n'ai pas de télé 4K. Mais tout le monde me dit, alors mais t'es un bouffon, fallait prendre une PS4 normale. Non, faux petit amateur de jeux vidéo. Je vais mettre ça sur mon écran PC. Et comme je veux que ça soit en 1080, il me fallait une PS4 Pro. Et puis au pire, si c'est vraiment dégueulasse, j'investirai à Noël dans une télé. Point d'exclamation, don, je vous remercie. Donc voilà, on a la PS4 Pro. Et l'exercice va être violent. L'exercice va être simple, c'est de faire un unboxing. Parce que tout le monde demande ce qu'il y a dans ce carton. Évidemment, vous ne le savez pas, c'est le mystère, c'est la surprise. PS4 Pro 4K HDR. Le menu HDR et dynamique en joint. Regarde le menu, le super chargeable de la vidéo. C'est génial. Amérique, nous nous sommes en ligne. Un joueur vient à 32 joueurs. Bah, ça a l'air très intéressant tout ça. Mais Mary, vas-tu live des jeux sur PS4 maintenant que t'as une PS4? T'enflamme pas mon petit gars. Je suis pas un ouf non plus. Bienvenue sur le live, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va vous? Moi ça va très bien pour ma part. Ouais, et je pourrais faire des petits live tests. C'est-à-dire je viens, là, je m'installe comme ça devant la caméra. Salut toi, aujourd'hui on va tester le dernier Spider-Man. Y a beaucoup d'araignées dans le jeu. Et voilà, je sais pas. On est obligé de t'adapter à... À toi, viewer de bas étage. Pleb, petit homme inutile. Donc voilà, je tiens à me préciser. Ninja Strike, 13 ans, et je fais du karaté. Je tiens à préciser une chose très importante. Je ne vais pas jouer à tous les jeux PS4. Et encore moins à Rainbow Six Siege. Si, faut être le dernier des deux nourris pour jouer à R6 avec une manette. Oh Mary, t'as une PS4, putain, je kiffe. Donne-moi ta PS4 et ton PSN, c'est quoi? Tu vas jouer à Rainbow Six Siege? Je veux savoir toute ta vie. Je suis trop fan. Non, je vous embrouille pas. Oui, je sais, je relance le débat. Bref, pas, tu me verras jamais sur R6. Sur PlayStation. Jamais, sincèrement. Donc voilà. Donc peut-être qu'il y aura des lives.
Les soirs où 6-4 ne sera pas là, que je ne saurais pas quoi faire, je pourrais faire un live avec Gaston, avec Philibert, avec Octave, avec moi, avec d'autres personnes, on ne sait pas, de l'académie, on verra. Donc sans plus attendre, je finis. Oh merde, il y a un grand chenouille qui est... J'ai rigolé. Oh merde, il y a pas... Oh, tu dégueulasse, putain, merde. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir le paquet et regarder le contenu. Peut-être qu'il n'y a rien dedans. Oh, quel mystère pourrait être. Imaginez, j'ouvre que c'est une Xbox dedans. Oh, la surprise, ou une peluche, on ne sait jamais. Son fourbe, elle s'incruste partout. Je sais de quoi je parle. Je suis fier de vous la présenter. Putain, elle est pas légère. Je suis fier de vous présenter ma nouvelle PS4. Je vous la montre. Alors, dès que vous voulez faire de l'unboxing, vous avez besoin de deux choses. De la box, hein, c'est ça, c'est ce truc. Vous avez besoin de cette box-là. Et vous avez besoin... Une fourchette. La fourchette vous permet à tout instant de créer une petite dissociation du scotch afin de pouvoir le retirer très habilement. Oh. Insérer comme ceci. Oh. Et ensuite, vous tirez. Et ça, si vous n'avez pas de problème, vous ne pouvez pas faire. Oh là là, merde, je l'ai appuyé. Voilà. Ah, ni vu ni connu. Oh le meilleur putain la vache. Oh mais c'est vachement lourd. Oh merde. J'ai entendu un foot. Tadam. Oui. Pas besoin de la fourchette les mecs hein. Ouais non mais arrête. Ah, oh le suspense est intégral. Nous pouvons voir ici qu'il y a une petite fente où insérer son doigt. Oh. Non, la fente. Oh ouais. Oh non. Oh. Mais ça ne passera jamais la console par ce trou. Putain, j'ai coincé ma main. Ah. Ça fait trop mal. Non, parce que dans les unboxings, on précise jamais de ce qu'il faut faire exactement. Donc là, regardez cette situation. Vous voyez, là, cette petite partie-là, c'est la lignation. Hein, la lignée, comme ça. Ben, faites ça. Ben oui, c'est fou. Ça permet d'ouvrir. Voilà, c'est génial. Et dedans, vous pouvez voir... Oh, du matériel technologique. Oh, une manette Dual Bishop. On va la mettre en main. Des câbles. Des petits câbles écouteurs qui ne servent strictement pas. Un port HDMI. Oh, non, pas du tout. C'est un câble HDMI. Oh, quelle géniosité! Un mode d'emploi, un autre mode d'emploi, et enfin un troisième mode d'emploi. Avec une prise, une USB micro rechargeable de manette, et enfin nous avons... Putain, mais il y a un carton dans le carton encore, quoi, les mecs! Ah bah non, c'est la console! Ah, je suis con! Alors attention, faut pas que je fasse de bêtises. Voilà. Mais regardez avant ce qu'il y a dedans là encore. Il y a entraînement. Oh non, entertainment de book. Ok, donc c'est pour la surpuissance. Ok. Inscrivez-vous en 3 clics. Ok, bon ben ça change. Je pense que je sais faire. Ressembler à une bouffonne avec deux glaces dans les mains. Ok. Ok, ok. Oh Daenerys, je t'aime. Oh, ça va là? Effets spéciaux. Branded Redemption 2. Donc voilà, mon futur jeu préféré, certainement, que je vais poncer. Voilà, ok. Et enfin, la PlayStation. La PlayStation en elle-même. La PlayStation 4 Pro. Une PlayStation qui sera ravissante chez vous et qui vous permettra de faire des parties totalement dingues. Oh, elle est belle. Oh. Oh, elle est d'une douceur texturelle. Oh, le petit logo ici. C'est très appréciable. Donc voilà, c'est ça la console, le gros mastodon, le gros truc.
avec différents ports. Là, on peut voir un port USB. Là, on peut voir deux ports USB. Et enfin, un troisième port USB. Voilà. Donc, il n'y a que des ports USB. Et bien évidemment, nous avons aussi à l'avant deux ports USB. Alors l'odeur, parce qu'on parle jamais des odeurs, les gens qui font des unboxings, ils parlent jamais de l'odeur. Il faut savoir que l'odeur est très appréciable. Ouais, elles sont bonnes. Ouais, j'aime bien l'odeur. Voilà, c'était l'unboxing. On a vu que maintenant j'ai une PlayStation et je suis super content. Il est important que je vous explique pourquoi Red Dead Redemption 2 est pour moi un jeu très important que j'attends énormément et qui me fait acheter une console. Déjà, je suis un gros fanat des Star Wars. Cowboy, Star Wars, Cowboy, Harry Potter, je kiffe tout ça, c'est le même. Non, je suis un grand fan des westerns, en règle générale. Je kiffe l'ambiance, je kiffe l'époque, j'aurais aimé être un cowboy, avoir mon ranch, marcher pieds nus dans la prairie, rentrer au saloon. Parce que Bobonne m'a fait chier à la maison et que toute la journée je me suis occupé de la petite Gabrielle, c'est la petite vache qui est le petit veau qui est sorti du vagin de sa mère. C'était dégueulasse, on devait tirer les par les pattes le truc, j'avais du jus qui me sautait. Non, n'allez pas Gabrielle, viens. La vie rêvée d'un cow-boy quoi. Donc tout ça pour dire que Red Dead est un jeu, à l'époque je m'étais payé une console Xbox 360 rien que pour ce jeu. Chose que je réitère aujourd'hui mais avec une console PS4 hein, parce que la PS4 bien que moins forte technologiquement elle contient des exclusivités qui me plaisent plus que les exclusivités. On va pas rentrer dans le débat. Maximus Decimus Meridius, arrêtez de faire du bruit, je fais un enregistrement. Et donc aujourd'hui oh la gêne. Red Dead Redemption 2 est un jeu que j'attendais énormément et franchement énormément. De par son c'est, moi ce que j'ai kiffé le plus dans le jeu c'est l'immersion. Quand il y a une bonne immersion et que j'y crois à fond, je peux rester des heures à me balader dans la pampa, aller chasser un ours, récolter des poils de plumes. Je peux faire plein de trucs, me balader, marcher. Je peux être vachement RP tout seul là, dans mon bureau de la Salty Academy à jouer comme ça tranquillement et à pas farm le jeu à fond en faisant toutes les quêtes et tout, mais jouer vachement tranquille quoi. Genre j'y suis réellement quoi. C'est moi, ma personnalité qui est dans le jeu. C'est un lien comme ça qui se crée entre le jeu vidéo et la réalité. C'est une fusion, une inception qui se fait sous plusieurs couches et moi je suis carrément dans le jeu. C'est-à-dire que quand je marche dans le jeu, je marche dans mon esprit, je marche dans la vie, je marche. J'adore ce jeu. Je ne pouvais pas attendre la sortie de Red Dead sur PC. J'ai réfléchi, elle sortira. J'en suis à peu près convaincu. Mais je veux vivre l'expérience dès maintenant. Je suis un mec qui ne sait pas patienter. J'ai craqué pour ce jeu. Je pense que c'est même pas pour rien que c'est mon jeu préféré. Le premier. Voilà. Il n'y a pas de conclusion en fait. J'ai commencé une phrase. On s'attend à ce qu'il y ait une logique, à une conclusion de synthèse, une information qui vous a donné. Mais il n'y en a pas. C'est bien. Vraiment, ça boulait. Non mais désolé, je reviens là-dessus, 30 secondes, une petite parenthèse. C'est ouf. Je vous invite donc à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, même pas qu'un petit, un gros. En fait, je veux que tout le monde mette des pouces bleus, quoi. Et d'ailleurs, pas qu'à cette vidéo, à toutes les vidéos. Donc retapez-vous toutes les vidéos de la Salty Academy, mettez des pouces bleus. Et en commentaire, dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Si je vois qu'elle ne fait pas assez de vues, il n'y aura plus de vidéos comme ça. Je veux que le compteur de vues soit explosé. Partagez les vidéos, parlez-en autour de vous. Very important thing. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. A très bientôt à la Salty Academy. On est gentil. Ouais, c'était pas la bonne fin. Oui, bah j'ai plus de pellicule. Je peux pas enregistrer, tu vois. On est salty, mais pas que. 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 Ah ouais, man. On est salty. Mais pas que. On est salty, mais pas que. On est salty, mais pas que.